la semaine précédente aux Herbiers. La première incursion est montoise avec Haber qui intervient devant la barbe. Des Montois globalement dominateurs, mais pas vraiment d'occasion franche à signaler. 22e minute, le coup franc de Benesch côté Fontenay n'est pas cadré. Nouvelle tentative montoise à la suite d'un coup franc. La frappe de Gasparotto est captée par Haber. Et puis à la 42e minute, le capitaine de Mont-de-Marsan, Elissalt, sert la barbe au point de pénalty. L'attaquant montois trompe Haber et ouvre le score 1-0 pour Mont-de-Marsan à la pause. En seconde période, le gardien de Fontenay, Haber, doit sortir sur blessure. Il est remplacé par Keita. Fontenay a toujours du mal à porter le danger. À 20 minutes de la fin du match, Kevin Durand fait son entrée et à la 77e minute, son coup franc trouve le poteau droit du gardien montois. On retrouve Durand sur coup franc à la 80e minute. Le ballon arrive vers Benesch qui ajuste sa reprise et égalise un partout. Dans les arrêts de jeu, le centre de Durand, encore lui, va trouver la tête de Garot. Le gardien est battu. Fontenay arrache in extremis la victoire 2-1.